Bien le bonjour YouTube, c'est Edith, la chaîne Hors de Contrôle, enfin du moins c'est la famille Hors de Contrôle. On se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau vlog de vacances. On va vous faire découvrir aujourd'hui Universal Hollywood Studio, enfin Universal Studio plutôt, de Floride. On l'a déjà fait en Californie, et là on va faire donc celui de Floride, on va voir s'il y a des petites différences. J'essaie de vous faire découvrir ça aussi en vidéo comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, je suis très très speed, c'est normal. Je suis en train de faire les bagages pour les mettre dans la voiture. C'est le gros bordel. Franchement, quand t'es à 3, quand t'as un petit bébé, ça commence à te changer la vie. On part pour le parc, on va passer la journée là-bas. Et après, on file à Fort Myers. Voilà. Petit point portefeuille, sachez que la journée là-bas vous coûtait à peu près 120$ hors taxe. Voilà, donc on est deux, on est 240 balles. Voilà, la petite ne paye pas forcément, elle a moins de 3 ans. Non, moi, je suis une couche. Ça y est. La petite famille est revenue, le bébé est changé, petit point toujours, hein, ce petit vlog il est fait à la fois pour elle, la petite qui est ici. Ils ont compris, je crois. Voilà. Non mais imagine juste la personne qui vient sur ce vlog là, elle comprend pas, elle a pas vu les autres vlogs. Donc ces vlogs là ils sont faits pour la famille, pour la petite Lola, pour les souvenirs et puis pour ceux qui sont un peu intéressés de venir ici en Floride. Voilà, c'est la petite minute mise au point pour ceux qui viennent d'arriver, qui débarquent. D'ailleurs si vous débarquez, pensez à vous abonner, c'est juste en plein là. Allez, en avant les Diglingos! Ça y est, on est arrivé à Hollywood. Enfin, on est arrivé à Universal. On passe par le City Walk. Donc, avant d'arriver au parc, ça ressemble beaucoup en fait à un petit village avant d'aller au parc. Tout simplement. Voilà. Et voilà la boubou Universal. On l'a cherchée, on l'a trouvée, elle est à droite du City Wall quand on rentre. Parc qui s'appelle pareil, mais ne se ressemble pas. Mais juste en dessous, là, le lien là, des vlogs de Californie, vous verrez que c'est différent. Attractions, mais elles sont juste pas situées au même endroit, ça n'a rien à voir en termes de placement. C'est les mêmes attractions, tout pareil. Là, on va faire l'attraction Shrek qui est en 4D, donc c'est celle qui est là. Qui dit 4D, dit siège qui bouge, film en 3D. Ça fait ça avec la petite, elle était heureuse comme tout. Voilà, je vous mets quelques petits extraits là. Tellement de bordel, je sais pas si on m'entend. Moi j'ai envie de faire ça. Mais je vais le faire tout seul, parce que personne ne va le faire avec moi. On continue, on va faire Jimmy Fallon, je sais pas quoi. Ça là. Et apparemment il y a un truc avec des courses de voiture. Salut toi. Je suis un pote. C'est un copain de Jimmy Fallon. C'est lui là. Tu l'as là. Voilà. C'est ça qu'on va y faire. Welcome to The Tonight Show. You're here, you made it. This is the place to be. I'm your host, Jimmy Fallon, and this is the race through New York. This is very exciting, guys. In a few minutes, we're going to go head-to-head in a high-speed, action-packed race through New York City. You're going to see it all. You're going to see Times Square, the Statue of Liberty, the Empire State Building. But before we start, wow, c'était vraiment excellent. C'est un peu comme Star Tour, t'es assis, ça bouge, ça monte, ça descend, etc. Et on se bat dans New York, c'était excellent.
takes a toll on everyone, they say. Time. On s'est perdu, on cherche le retour de la momie. Et Camille nous a emmené dans une boutique qui a rien à voir. Quand la momie, c'est là. Allez. Excellent le retour de la momie. Des trucs un peu calmes, des trucs en 3D, des attractions, ça descend dans tous les sens, c'était excellent. Toujours très très bien fait. C'est quand même un cran au-dessus. Là, je la deviens aussi. Elle doit pas brûler celle-là. Là, on va aller faire Harry Potter. Mais ça ressemble pas trop au château d'Harry Potter en Californie. Pourquoi ? Quand tu comprends rien, tu comprends rien. Ça, c'est juste un train pour aller à l'autre parc. Harry Potter, il est là-bas. Kenny a trouvé. Je me répète encore, hein, les attractions sont nommées pareilles, mais ça n'a rien à voir. C'est toujours une nouvelle attraction, un nouveau thème, un nouvel endroit. C'est jamais la même attraction. Ce qui est bien, c'est pour l'Américain qui veut voir plusieurs fois Harry Potter, il va dans plusieurs états, il a différents Harry Potter. Toujours en 3D, un peu comme Ratatouille, ça bouge dans tous les sens. Là par contre, il y a des grosses descentes, etc. Il y a des photos. Et c'est vraiment très très bien fait, c'est très beau, mais bon, ça fait pas peur. Bon, je vous donne dans le mille, il est 13h. Et à 13h, on fait quoi en Californie? On fait quoi en Floride? Mais non, mais il est même pas 13h. Si. Tiens, mon cas. Hein, on fait quoi là? On va bouffer. Là, c'est Made in Black et je ne repartirai pas sans aller ici. J'ai un petit manque quand je suis parti en Californie, on l'a pas fait. Là, je vais le faire. Hey, Camille, oui. Celui-là, je le fais. Hein. Moi aussi, je le fais. Hein, on part pas d'ici sans l'avoir fait. Bah, moi, je vais, mais attends. Ah, mais tu l'avais pas fait quand j'étais. Eh non, à cause de toi. Ça y est, on a bouffé. On va faire Krusty, on va aller tout vomir. Allez, on sort de la production Krusty. Hein, oh, la Krusty, ça bouge dans tous les sens, on vient de bouffer, donc
c'est toujours le même principe en fait, toujours un écran en 3D et ça bouge dans tous les sens. En fait, l'attraction n'est pas sur rail, elle est juste sur des pneumatiques. Et ça bouge dans tous les sens et elle est très longue. Donc c'est pratique, enfin ce qui est cool c'est qu'elle est très longue, mais par contre, après manger, compliqué. Alors il dormir. Allez, on continue, il y a très peu de monde aujourd'hui. Il y a à peu près 10 minutes d'attente, 15 minutes par attraction. Là on va aller faire Men in Black Alien Attack. Juste ici. Et les petites secoues volantes au-dessus. 6 passengers per vehicle. 3 per row. You will experience intense rotational forces during your Je suis armé. Bon, c'est comme Toy Story. J'ai fait de la merde, j'ai même gagné. Elle fait 32 000 et moi 22 000. Moi, j'ai fait vraiment de la merde. Allez, la grosse a encore frappé, elle est là. Ah, bah oui, regarde. Le gros donut. Ça m'a pris un peu d'eau quand même. La grande classe. Ça aussi. Ça y est, il est tard, ça commence à être la fin du vlog. C'est la fin du vlog. Je vais aller faire l'attraction. C'est là, là. Là, je suis à 90 degrés. Et ça sera terminé pour aujourd'hui. Que dire de ce parc? Bah, en fait, ce parc, il est sympa. C'est beaucoup, effectivement, c'est Universal, donc c'est beaucoup de trucs avec des écrans, la 3D, etc. Des attractions qui sont fixes mais qui bougent. C'est d'ailleurs l'attraction que je vais faire, c'est la seule qui est sur un rail. Donc hormis ça, c'est un très bon parc. Et très différent de celui de la Californie. Il y a un de mes copains là. Bamboli. Je fais pas. En même temps, je suis venu pour ça. Hein. Allez, hein, on va la faire. Hein. On va aller vomir une bonne fois pour toi. Ouais, ça aussi. Wow. Allez, juste avant de partir, je vous mets un petit prémisse. J'ai fait le DVD d'attraction. J'ai une tête de merde, je savais pas qu'il y avait une caméra. Vous moquez pas trop. Je vous propose de vous abonner, c'est pas déjà fait. Si c'est la famille, coucou la famille. Si c'est les potes, coucou les potes. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Eddy de la chambre de contrôle et sa petite famille. Ciao. Hop, hop, hop.
ne pars surtout pas si tu veux continuer. Tu as juste à cliquer sur la vignette de gauche pour reprendre le vlog initial en Floride et tu vas reprendre le cours de l'histoire. Et sinon, tu peux cliquer sur la vignette de droite pour partir directement sur nos vlogs en Californie. Tu ne les as pas déjà vus.